Là, il y a une boiteuse, 5017. À l'extérieur, une partie du troupeau a passé la nuit dans ce parc. J'essaie de la ramener vers un tas de brebis. Barbara et sa stagiaire Marion s'occupent des soins aux animaux. Tous les jours, elles passent en revue le troupeau de plus de 300 têtes. Le but, là, c'est de les faire marcher pour voir s'il y en a une qui boite, pour voir s'il y en a une qui a un comportement bizarre. Celle-ci, là, la 2079. Ouais, voilà, celle-là. Alors, du coup, dès que tu l'accroches, faut vraiment que tu cours vers elle. Faut surtout pas la tirer vers toi, c'est à toi d'aller vers elle. Bien, voilà, nickel. Marion est en formation depuis un an. C'est la première fois qu'elle travaille en estive. J'ai bien repéré celle-là. Donc, diagnostic. Échauffement. Échauffement. C'est technique quand même. Faut pas s'imaginer que c'est on va à la montagne et voilà, c'est les vacances quoi. Non, il y a beaucoup de suivi à faire. Et ici particulièrement, on fait du fromage, donc c'est vraiment un enjeu quoi, c'est important. Pour moi, c'est super important de transmettre le métier de berger. Donc là, sur le terrain, avec les gestes, avec du temps, en répétant les mêmes gestes, en faisant attention à tout, quoi, au bruit, aux odeurs. Il faut du temps pour apprendre tout ça et c'est agréable de pouvoir transmettre tout ça. Ce qui fait vachement plaisir dans le cas de Marion, c'est que Marion, elle a un projet d'installation. Une paysanne de plus, c'est génial. Barbara et Marion sont les exemples d'un métier qui se féminise. Après les soins, Barbara rejoint l'autre partie du troupeau qui pâture sur les crêtes. Donc on est vraiment juste en limite avec l'Espagne. Là derrière vous avez l'Espagne, ici donc vous avez Arlette avec le pic d'Arlette, et là-bas c'est le col de Couec, mais qui est caché finalement par le premier plan qui est l'Aouda, c'est les crêtes de l'Aouda. Donc Couec, il y a des collègues à nous qui sont là derrière, voilà, il y a des stagiaires de la formation berger qui sont là-bas aussi, et la vallée qui est juste après, c'est la vallée d'Ossau. Donc vous avez le pic du Midi d'Ossau qui est là-bas au loin. Ouais, c'est presque rassurant de pouvoir le voir tout le temps ici. Moi, j'aime bien. Il est là, quoi. Bah, il est fort, c'est le plus grand. C'est le Béarn, quoi. Ouais. Elle est devenue bergère il y a quelques années sur un coup de foudre pour le métier. Ma première expérience de bergère, elle était magique. C'était un petit garçon de 12 ans, en plus, qui m'a appris un peu à faire travailler le chien et compagnie. Et c'était... Oh là là, ah ouais, c'était des émotions. Enfin, je crois que j'avais un sourire jusqu'aux oreilles tout le temps. J'arrivais pas à l'enlever tellement c'était un sentiment magique, quoi, de liberté, de... Voilà, quand on est en hauteur comme ça, qu'on voit le paysage, c'est grandiose, quoi. On se sent tout petit et puis à la fois, on se rend compte de la chance qu'on a d'être là. C'est génial. Barbara fait partie des 32 femmes qui travaillent aujourd'hui en estive dans la vallée d'Aspe. Là où il y a des herbes qui piquent pas les fesses. Un changement qui est en train de révolutionner le métier de berger dans les Pyrénées. Autrefois, c'était un métier d'homme parce que le travail était plus physique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça peut être fait par une femme parce que les conditions de travail et de vie ont été améliorées. Il y a des estives où il faut plus marcher que celle-ci, mais il y a des femmes qui sont complètement capables de faire ça, qui ont les conditions physiques. Des journées comme ça, avec un grand soleil, je dois dire qu'il n'y a pas grand-chose de difficile. Plus il fait beau, plus les brebis sont sympas, mieux elles pâquagent. Quand il fait froid, quand on est en plein vent, dans la pluie, les brebis elles courent, nous on court aussi. C'est soit le paradis, soit l'enfer. On est complètement tributaire de ce que la nature nous donne, quoi. Il n'y a pas de juste milieu.